encore une fois parce qu'on branché. Oui, bien dit, encore une fois parce qu'on branché. Parce que je connais chaque vendredi depuis le ça, on branché Télépacifique et on branché Millennial. Premier invité, je dis à son monde qui est dans Kaela. Mbap dit qui est lié. Et deuxième invité, nous, c'est Institut Haïtien Langue des Signes. Vous voulez voir qui est dans Kaela, quand même? Vous voulez? Nous voulez? Nous voulez voir qui est? Eh bien, n'a pas été branché Millennial. Ou abrété branché Millennial. N'a pas tourné tout de suite. Après, tu poses tout coûte là. Télépacifique, c'est Millennial qui rentre la caillou. Et si vous n'avez pas de chance, ou ouais, introduction maintenant, je te dis que le premier monde qui a pas vem, à Souéa, c'est un monde qui est dans la caillou. Je te demande, est-ce que nous connaissons qui est? Connaissons-nous qui est? Puisque il est tout prêt là, donc je demande nous, applaudis avec nous. Ça va? Madame, bienvenue à Millennial. Merci, bonsoir public, bonsoir les téléspectateurs qui nous regardent présentement. Eh bien, ils sont plaisir, vous pouvez gagner. Je suis content là. Moi, mais le fait que ce n'est pas samedi chaud et que ce n'est pas où qu'on pose des questions. Oui. Hein? Que c'est où vous mettez dans une chaise qui a une chaleur là-dedans. Là. Bizarrement, inversement, Wolza, petit chien stressant. Hein? Il est stressant, non? Tu es stressant? Ça le vrai, dit, mon ça. Il est pas stressant. Ça le vrai, non, laissez-moi quand ça me le dit, elle pas stressant. Mais laissez-moi quand ça me le dit, non, là, elle est stressant. Ah, pas faire ça. Ouais, on fait l'ensemble, comme t'as dit là. Baccalauréat, non? Presque. Presque? Mm-hmm. Ok. Yo, well, yo, connais-on. Et ça fait quelques temps, oui. Nous allons venir sur ça après. Mais qui est-ce qui est? Un monde qui est Naïka. Qui sauve les gens qui dans la tête? Et. Tout d'abord, je pense que je suis un monde qui est surtout simple. Et peut-être simplicité est marquée tout beaucoup moins. Et c'est peut-être assez drôle que je fais route dans mes présentations télévision. Mm-hmm. Parce que généralement, et lors sous les feux du projecteur, c'est, ça a son bon côté, mais tout le grand pas qu'un mauvais côté. Oui. Donc, oui. Et le pire, c'est que j'ai appris sur le tas comment faire avec. Donc j'ai grandi ainsi tout de suite après mon couronnement à Miss Vidéo Max, donc à essayer de gérer cette nouvelle personnalité que moi fait qu'à gagner. Donc une cas dit que moi façonné propre monde que moi par rapport avec responsabilité ça que au vin ben moi à peine âgé de 18 ans et ça vient fait que moi surtout un monde qui est très prudent et qui évite qui surtout met en pratique 3 R dans la Ilama. Respecter tête moi respecter moi et puis me responsable de tout ça moi même m'engager pour me faire parce que ça c'est ligne directive que me bail tête moi et qui présenter moi même comme moi je veux dire. Et je pense que mon yo premier connaissance vraiment que vous fait avant c'était Télémax, c'était Miss Vidéo Max. Ouais. Est-ce qu'on voulait retourner sur expérience ça un petit peu? Bon oui pourquoi non Millennial donc oui. Un petit peu. Ou dans gain de détails peut-être que vous n'avez pas voulu retourner sur vous. Même pensez que justement pour ce concours ça n'a pas fait encore. Oui. Donc les noir ont bonne occasion pour faire râler mes vini de qui ça que le tayer en gros et de qui j'ai expérience ça a été aidé autour. Et pour moi-même c'est pas seulement en compétition qui était là qui t'est metté plusieurs jeunes filles face à face. C'était une porte que vous avez offert jeunesse féminine non? Oui, pour être capable de percer, pour être capable de paraître au grand jour et montrer ça à vous. Pas de gain en pile et à l'époque. Pas de gain en pile à l'époque. Pour ne pas dire pas de gain, pas de gain du tout. Pas de gain en pile à l'époque. Donc, en pile, jeune fille, tu es toujours obtenu l'occasion ça. Ça qui connaît que vous avez une tête, vous avez bien faite et puis bien pleine, pour être capable de montrer à Haïti ça à vous, ça à vous fait, ça à vous fait. Et dans l'optique ça, moi, parce que j'ai commencé à suivre Miss Vidéo Max longtemps, et surtout souligner là, et j'ai senti que j'étais capable et faire même bagarre là tout. Sauf que j'ai toujours pensé que le moment pas propice,
probablement faut me détendre université ou que me capable d'un bagage intellectuel assez poussé et elle fait face avec toute jeune fille ça parce que à l'époque il y a plus que 500 jeunes filles qui viennent inscrire. Ah oui. Donc pour faire ah le oui. tri, ah oui. arriver dans 50, passer dans 25, tomber dans 20 et puis 10. Non, c'est tout ton parcours. Mais finalement, et j'ai osé parce que tout de suite après, on est entamé avec des études universitaires. Et puis, je me disais, mais pourquoi pas? Et puis, j'avais des amis aussi qui, chaque année, ils sont venus à aller. Donc, année, ça, on évolue à tomber sur moi. Et alors, c'était sur nous deux, à l'époque, nous deux qui étaient allés. Et puis, c'était intéressant, sauf que la différence qui était gagnée dans l'année PAM, non? C'était plus stressant que les années précédentes, même si je n'ai pas participé dans l'autre année. Dans quel sens? Dans le sens que, pas de assez de sorties plaisantes. Okay. Ou j'ai l'impression que c'est chaque jour que tu as passé le baccalauréat. Donc, wow. Presque chaque jour, il y avait deux émissions et il y a évalué sous culture générale. Il y a évalué. Donc, très intense. Non, mais la pression était un petit peu trop forte. Tu vois, on avait fait seulement une seule sortie, on était allé à. Cette compagnie n'existe pas, n'existe plus, c'est voilà. Voilà. C'était la seule sortie que nous avons fait. Donc, on était tout le temps. Moi, je pensais qu'on allait à la mer et tout ça et tout ça. Et puis, non, je n'ai pas vécu ça, c'est dommage, mais je ne l'ai pas vécu. Donc, pour moi, c'est une expérience qui m'a mûri un peu trop rapidement parce que, pas oublier, lorsqu'on sortit l'école classique et on rentrait dans, pas même dans la vraie vie, ça c'est un monde qui est très difficile à gérer, oui. Sans pas assez de maturité. Donc maintenant, il fallait que je quitte l'adolescent là de côté pour m'entrer dans l'école grand monde rapide. Donc c'était un espace de 2 mois. Je n'étais pas vraiment préparée. C'est peut-être une ambition que je gagne et puis je voulais ouais, force moi et me faire. Maintenant, tout de suite après, vois-tu, il y avait aussi Miss Anaïs qui était en face. C'était la oui. toute première édition. Oui. Donc, la pression donc, compétition était faite commencer. Exactement. Oui. Oui. Donc, à la Télémax, on exigeait que tout le monde allait, il faut qu'on connaît, il faut que ça capte sous. Net. Donc, on contrôle de tout fait et geste. Net. Et quand on t'invitait à une émission, et j'avais Magali Racine qui était oui. souvent bonsoir, là aussi. Magali. Et non, bien songé Académie Perfection. Oui. Hein. Bien songé Académie Perfection. Donc, elle était là, elle supervisait, ok, d'accord, tu peux mettre ça. Bon, tu sais, à l'époque aussi, je pense que vraiment, j'ai un style, moi, un style, moi, qui s'aime, mais qui voit tabac tête. Non, beaucoup qu'on aime vraiment. Okay. Et puis, du coup, voilà, j'étais, mettais une étiquette mise qui sont moi, qui me poussait à sourire tout le temps. Ça, c'était pas un problème, j'ai toujours appris. Mais, donc, là, on devait être bien mise, droite, tout ça. Et toujours souriante, quoi. On avait la mâchoire qui, définitivement, ça faisait mal. Tout le temps quand les gens nous regardaient, on était... Et les gens qui se demandaient, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. C'est la sens aussi. Oui. Donc, oui. C'est un parcours qui m'a mûri en gros. Mais j'ai eu aussi beaucoup de gens qui m'ont aidé, ma famille tout d'abord. Parce que ce que j'ai aimé, c'est que le jour de mon couronnement... Salut, ma. J'espère que tu ne regardes pas. Elle m'a dit... on était rentrés, je crois, vers les 4h du matin, parce que ça a terminé aux environs 3h. Et puis, on n'arrêtait pas de parler, on n'en revenait pas, on était contents. Alors, mes amis et moi, quand même, oui. nous étions plusieurs oui. à la maison. Oui. Et puis, il est rentré. Et puis, elle a dit, Miss ou pas, là, c'est Kaïmoué. Si je ne suis pas monté, je ne suis pas qu'est-ce que tout le monde. Tu vois? Donc, ma mère, j'ai cru qu'à ce moment-là... Donc, elle t'aidait à gérer, exactement. Si on veut. Exactement. Donc, oui. elle n'a pas voulu que j'ai la grosse tête. Et elle m'a accompagnée dans mes choix, dans tout ce que je faisais pour s'assurer que, oui, c'est vrai, c'est une belle opportunité, mais que je gérais le bien pour ne pas à le faire n'importe quoi. Oui, parce que quand ça devient un petit peu capiteux, hein, courir monter dans tête, il fait plus effet que oui, on devait. Oui, tu sais, on te donne une voiture à 18 heures. Tu as à 18 une voiture. Heures, oui. Donc, ça, c'est une... Comme si... Moi. Oui. Et pourtant, je conduis la machine ça dans 2 mois. Ah bon? Oui. Wow. Oui. 2 mois. 2 mois et puis... En pile misé tout, mais 2 mois. Comme si 2 mois et puis on pas conduit machine là encore? Non. 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 Parce que... Wow. C'était une voiture de marque européenne. Je fais pas de publicité, mais je remercie encore la compagnie. Mais ma mère estimait que machine ça n'est pas assez solide pour un jeune qui a
prend la rue pour la première fois. Et puis il estimait que machine pas là que le tap conduit qui c'était en l'autre mode, pas besoin, c'était non. Depuis solide. Alors lui-même là il est un peu plus loin. Lui c'est que machine ça m'a conduit hein, même si c'est moi-même qui t'a occasionné un accident ma victime quand même. Et au lieu que ça fête comme ça, il est plutôt remettre machine, hein, il prend comme là, il tend l'estimer que vraiment paré, en attendant de mettre quand tu parles là, que même pas toi rien, même de trouver le thé. Tu sais, c'est l'aventure de ma maman, donc je trouvais que ça faisait un petit vieux jeu, ouais, un petit peu. C'était pas oui, pour moi. Oui. Mais et pendant les deux mois, je n'ai eu qu'un seul accident. Un tout petit accident, on va y embraser seulement. Nous donner un barrière crasé. Ça veut dire que monsieur c'est pas où que tu as fait réparation barrière. Maman. Mais voilà, ah, c'est justement ça la réflexion. Voilà. Voilà. Elle a la tête sur ses épaules cette dame là. Il était en ouais, elle dit bah ça me pas cacher elle. Définitivement. On continue avec Naïka parce que grand pile parole qui vient parler toujours. Année ça c'est un anniversaire si nous qu'a dit que qu'on va célébrer. N'a retourné, n'a prend pause là. Pas changer chaîne, Millenial a tenu tout de suite. C'est Naïka, merci parce que vous été branché. Et nous disons que Anessa, c'est un anniversaire. Alors, si on a parlé sur tout 365 jours, c'est un bagage spécial qu'on a célébré. Oui, effectivement. Parce que c'est après 10 ans, dans l'audiovisuel, ça se fait oui, d'une certaine façon. Mais en réalité, je dis que nous avons une grande satisfaction. Et j'ai commencé en 2007, donc okay, tout de suite après mon couronnement. Là, nous sommes en 2017. Donc après 10 ans, moi, ça s'est fait un long parcours dans le monde culturel là. C'est triste de voir que c'est un monde qui est très difficile, surtout pour jeunes. Et dans ceci, peu importe le domaine, que dans la musique, peu importe sa jeune œuvre, les faits. Mais dans le monde culturel là, pas une porte ouverte facilement pour eux. Et c'est vraiment dommage. Parce que certaines fois, on dit qu'on a aussi un ministère de la culture, mais il t'a oui, supposé, selon moi-même, prendre en compte beaucoup plus, surtout jeunes, qui pourraient aller à l'échelle internationale pour aller présenter nous. Et c'est une peut-être et plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. C'est des jeunes danseurs, miss, chanteurs, qui pourraient représenter PIA, qui viennent, qui m'ont passé une émission. Oui, c'est vrai, tu les reçois, ou fais au palais, ou expliquer le projet à Belle, ça, on va le faire à Belle. Mais à la fin de la journée, ils ont toujours demandé. Des fois, ils ne sont pas allés. Des fois, ils ont laissé leur arriver. Peut-être que ils sont pas vraiment capables de faire ça ou envie de faire. Parce qu'ils ne vont pas manger vraiment là-bas. Ils ne vont pas pour ça. Non, non. Donc, c'est triste que j'ai eu à animer diverses émissions au cours de mes 10 années. Et après 10 ans, c'est toujours le même constat. C'est un pile jeune qui voulait faire place par eux dans le monde culturel là. Et là, pas ouvert. Même si elle t'a voulu faire ouvrir tout petit, ou obtenir un monde qui a barré le bras, mais c'est tellement pas suffisant que on a fait excès à côté par eux pour le West y a sorti et peigne du jeu. Et c'est triste parce que grand pile monde qui dans le monde culturel là, qui fait de l'eau déjà, qui rêvait mais qui pas voulu faire petit recul, et puis qui dit ok, bon m'accompagner, bon me faire pépinière. Très important. Voilà. Par exemple, j'ai reçu Jean Roosevelt à samedi chaud, qui célébrait ses 10 ans, et elle était 10 nous jeunes artistes. C'est avec eux qu'elle fait spectacle. C'est eux-mêmes qui font spectacle là. Moi, j'étais vraiment content parce que généralement, on ne joint pas des artistes qui confirmaient, qui disent bon, ok, moi-même, je prends jeune artiste, ça, moi, j'ai talent, bon, je balle le bras, bon, je fais le rêver. Et chaque fois que je fais des émissions culturelles, là, maintenant, je présente Écho des Arts, lors de recevoir des jeunes artistes, c'est toujours la même demande là. Ok, moi j'ai un projet, moi j'ai ça m'a réalisé. Ils ont accepté une telle compétition internationale ou du moins moi je veux faire tel type d'exposition, mais ça me gagne comme œuvre. Après tout qu'on a like, oh c'est joli, oh bravo, oh artiste a des talents, oh Haïti charge des talents. Oui, ok, nous connaissons ça déjà. Bah le bras, on investit là-dedans. Et
qu'on ça on capable gagner très prochainement et on l'autre fois qu'Étienne cap grandir oui, on joine on l'autre BIC cap grandir mais c'est ça que nous pas jamais joindre dans nous pas joindre facile dans monde culturel là mais c'est triste après 10 années et moi-même personnellement j'ai fait ce que je pouvais parce que ça me gagne même c'est un micro oui. C'est des émissions nous fait Noël mais c'est pile fois ça était là. Et c'est ça me t'a dit justement dans l'émission semaine passée, dans l'émission vendredi dernier. Moi, je dis si tonton Noël passé, si c'est ça seulement, il y a bam comme cadeau, si c'est investisseur que le cas touché, même si c'est un grain de monde. Parce que grain d'artiste ça, que c'est un musicien, que son danseur, un slammer, etc., qu'on aide, il va aider l'autre. Ouais. Ok, parce que là, je dis, ok, je suis arrivé là, je suis bloqué, je suis collé. Yo t'ai débloqué. Bon me fait même genre tout. Donc moi c'est très très très. Moi quand ça nous penser de Sanaï Kadia hein. Nous d'accord avec elle que vraiment nous méritait bye. Alors j'en dis hein, on fait partie pour là moi même tout me fait partie pas maintenant. On l'autre télévision peut-être à faire, on l'autre on a faire et nous m'a même parlé de investisseurs seulement tout, bien présentation en tout. Parce que yo dit l'habit ne fait pas le moine mais on reconnaître moine à partir de sac souli donc moi c'est tout gain tout ton encadrement sous point de vue Jean Mounio présenté tête physiquement mais Jean yo pral parler tout parce que des fois c'est dur que on fait une interview avec un monde chargé talent mais il est difficile pour monde naika exprimer les dit oui. On comprendre mais qui ça le veut mais sur qui ça l'a travaille des fois presque c'est langue mon non presque a metté dehors pour forcer le parler alors que ou même qui connent projet ou bien ou même qui suivent lui pendant un temps avant qu'on recevoir l'émission là ou connent ça rien comme capacité mais qu'on y permettre lui extérioriser là c'est sans l'autre bagaille. Alors généralement gagne un jeune mon n'a compte penser peut-être que mon pas voyel va mon voyel donc Vinchita là a dit moi besoin acheter un ticket pour moi parce que moins qualifié dans la compétition internationale et moi t'as besoin de jeunes comme tout pour me payer hôtel là ou bien pour me capable manger un petit peu gênant est-ce que vous comprenez peut-être un artiste qui fait non déjà capable de joindre les termes plus adéquats pour lui demander sans que ça va paraître et que c'est lui-même c'est peut-être pas qu'elle minimise d'une certaine façon et c'est on doit que le gagner pour le demander à tout parce que c'est nous-mêmes là pas le représenter et c'est un devoir tout que monde qui gagne possibilité à et surtout monde qui dans le secteur culturel le gagne tout pour encadrer mais généralement on a l'impression que émission fait à caractère culturel là que toi mettez et lumière projecteur sur monde ça yo qui bon et bien on a l'impression lumière ça c'est on a l'impression c'est tant comblé pour un monde les chala calibre bon, qu'il fin galère oh belle émission qui ça va. Je ne sais pas si tu as déjà visité Village Noy. Moi-même, j'allais dans Village Noy et en pile, on allait là, on visitait. Mais personnellement, j'ai fait un travail là et puis j'ai parlé. Il y a deux femmes seulement qui travaillent faible. Bon, par contre, il est augmenté depuis lors. Mais le map pas la veille aussi, on fait exposition parce que moi, c'est un travail qui dure pour une femme. Ah oui. C'est vraiment difficile. Faire découper, c'est très oui. Et puis, ils disent oui, nous on fait exposition dans le bablo, mais généralement. Là, nous jeunes monde qui invitent nous à faire exposition ça yo le temps pour yo peut-être ba nous visa yo mandé nous pour nous voyer travailler nous devant et là nous voyer travailler nous devant nous connait pas jeune visa mais ça qui pas dérange c'est que au moins nous participer sauf que yo pas voyer ni cob ni reste produire wow bah qui est-ce pour la le plaindre qui est-ce pour la le parler normalement tu as supposé que monde qui en cas oui tu as supposé une institution même qui là pour artisanat et paraît-il que gagne mais est-ce que vraiment est-ce qu'on compte ça bon il y a tout ça mais c'est triste en Haïti nous aimer applaudir mais c'est les monde qui fait tout effort pour oui. Personnel oui oui et puis on dit oh bravo OK et tel oh et tel c'est super on peut prendre l'exemple de Raquel Pélissier. OK tout le monde la reconnaît parce que elle a fait l'effort elle est passée jusqu'au 15 finaliste puis au 10, puis au 5, ok, tout le monde Haïti fou qu'on y a, même dans la diaspora. Oh oui, elle est superbe, elle est célèbre. Ok, mais personne ne parle d'avant. C'est ça. On n'en parlait même pas. Même pas. What? Même pas. Et maintenant, je ne sais pas, mais on a toujours cette tendance à critiquer négativement et sans même porter une petite contribution. Et c'est pour moi-même, c'est vraiment dommage. Et on a encore du pain sur la planche pour arriver à sensibiliser les gens et surtout le secteur privé à investir dans le monde culturel. Pas seulement dans Rabodaï, pas seulement dans ça que
peut-être jeunesse là actuellement retrouver et qui au final pas par rapport à rien réellement. Mais nous qui des jeunes auteurs qui sortent des livres intéressants mais qui juste besoin mon aide au financer livre là pour sortir par rapport. Nous qui des jeunes qui font des analyses justement sous des œuvres littéraires qui intéressant, yo peut-être qu'on pour mon ouvrage qui parlait de critique yo faire mais tout le monde gonde de radio mais à la fin de la journée yo pas sortir, yo pas gagner, pas moyen. Nous avons des jeunes chanteurs qui voulaient aller représenter Haïti. Ça qu'on arrivait que yo joigne possibilité pour jouer un ticket pour y aller. Mais tout reste dépense là après n'est pas évident. Donc du coup, leur rencontrer artiste ça, c'est juste donc que et donc c'est triste mais m'ai déjà un ticket même pas de jeune côté pour me dormir, pas de jeune côté pour me mais est-ce qu'on va le côté quelque instance. Oui, ça au dire. Ah, remettez le chita, on va jamais se voir. Ah bien oui, on était pas là même te dire comme ça tourner, le chaque me tourner, de mon parole. C'est pour moi c'est triste. C'est triste. C'est triste. C'est au moins analyser pour ça tu on va le faire, ça jeune on va le faire. Où elle en vaut la peine, investir là-dedans. C'est triste et c'est décourageant. Aussi. Parce que le conseil, on dit, ah, mais ok, pas rien à venir dans le métier de yo, secteur culturel là, pas vraiment rien, etc., etc. Et puis bon, c'est bien dommage. Ou bien, mon jeune visa, il est parti, et puis le rivé, côté la, à destination finale, il change de nationalité. Et puis, quand il y a eu, ah, un tel c'est haïtien, mais le bli, écoutez le sorti, etc. Mais il n'y a pas qu'on qui misère, il n'y a pas qu'on combien de rejets qui fait que peut-être, au final, on a décidé, prend une décision comme ça. Nous faisons une belle rallye là. Après, on s'y pose, on va tourner tout de suite, Red Branché Millennial. Avec nous, nous arrivons à faire une conversation, oui, malheureusement, parce que il y a un autre invité qui l'a. Mais est-ce que vous avez un dernier mot pour vous dire? Parce que tout à l'heure, le livre était vraiment émotion. Oui. On a parlé de comment c'est difficile pour des gens qui sont talentueux, que tout le monde a parlé de eux. Ils ont un tel spectacle, tel monde parlait très bien, ils ont un personnage, et puis c'est tout. C'est tout. Donc, je voulais prendre temps ça pour me gagner là parce que des fois mon yo pas comprendre que métier présentateur, animateur, communicateur en général, c'est un bagage qui finit avec un engagement. Il finit avec un engagement et le fait qu'on engage comme ça, quand qu'on dit en anglais les joint. Ça veut dire que ou qu'on a le côté, ou fait des visites, ou fait des interviews avec un monde et puis après ça, ou craquer carrément. Donc courage, Maïka. Parce que je connais okay, des gens, des okay, ouais. Samedi chaud. Ouais. Donc, où est-ce que tu es? Eh oui, je suis même. Travail là, du. Mais je pense que les gens qui peut être concernés, qui suivent Millennial dans le moment, ça me veut dire que ce n'est pas trop tard. Voilà. Ça peut être capable d'intéresser, de te fleurir l'esprit. Mais surtout dans le moment, ça, où tu as participé, où tu suivre Samedi chaud, où il y a des artistes qui sont talentueux, qui veulent aller présenter nous un peu partout. Gagné qui veut. Ça me remet, c'est que l'on parle avec jeune homme, il dit que je veux devenir la prochaine Emeline, le prochain Mitova, etc. Et puis là, tu te demandes, ok, côté le passé, parce que, ou même personnellement, on connaît, gagné que là longtemps, oui. C'est pas talent, le baguette. C'est possibilité, c'est accompagnement. Qui parle là. Qui parle là, pour peut-être permettre qu'il est capable de briser. Et bon, c'est pas trop tard, justement. Et. Il y a une instance qui concerne qui est capable de faire un virement. Et pas investir dans un exemple, comme tu as dit Bitova, ou pas, même Kemel, pas seulement investir dans un spectacle Bitova fait seulement. Donc, si ou est Unica, comme un jeune artiste que je connais, si elle va faire un spectacle tout qu'on est le bon, investir dans lui. Soit Jaina, par exemple, qui est passé vendredi dernier, ou elle bon intéressé, investir dans lui. Parce que c'est investissement ça qui a fait les vignes prochain Bitova au bas de mer. Tout à fait. Bon, c'est pas trop tard, c'est on commence Kounia et on fait le vite, hein, parce que nous perdons un peu de temps déjà. Nous perdons un peu de temps. Merci, Naïka, merci. Vous êtes tellement content là. Nous prenons une pause, nous tournons tout de suite, madame, monsieur, Naïka. Merci, hein. We'll be right back.
branché millénial ou toujours sous Télé Pacifique. Et monsieur en bas écran là ouais on bagaille qu'on pas habitué ouais dans millénial. C'est parce que justement gain Institut haïtien langue des signes qui a fait un travail extraordinaire. Moi-même d'a supposé commencer et aller prendre cours mais tant on si gens difficile même ben c'est important que justement parce que millénial gain devoir pour faire un travail social que nous attirer attention ou même qui la caillou qui a gardé sous travail que Institut haïtien langue des signes a fait. Je dis un représentant qui avait c'est Fenel Belgode m'a demandé pour le rejoindre sur le podium et m'a demandé pour nous applaudir. En petit chita? Oui, dans okay. Petit chita. Comment est Fenel? Eh bien, nous très bien Diana et je salue tous tes amis téléspectateurs téléspectatrices donc qui pas jamais raté émission ça. Donc salut bel public ça qu'on gagne donc vraiment c'est une émission et parce qu'un pile monde pour regarder et vraiment merci. Public là son public très jeune donc ça va permettre que vraiment nous aller et vraiment bien loin. Merci, je suis tellement content que vous là avec mais vous pas comprendre non j'ai senti gêné parce que de supposer et faire diligence pour me commencer mais tant vraiment fait mes défauts pour qu'on y ait plus ou moins même bon garantie m'a fait tout effort parce que me penser inclusion est très 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 important et comme yon éducatrice dans affaire droit monde moi c'est que c'est devoir justement pour attirer attention sur affaire langue signe en Haïti. Oui, effectivement, bah, c'est bon comme on dit poukounia parce que poukounia mais on a problème parce que langue des signes vraiment c'est une nécessité liée non seulement pour tout le monde en fait pour même en particulier qui dans domaine télé qui dans question communication mais pour tout le monde en général langue des signes c'est vraiment une nécessité parce que déficience une spécificité qui gagne la question déficience monde qui studio c'est parce que lié avec un problème de communication. En fait, le fait que le vin lié avec un problème de communication, ça vient faire que c'est une déficience partagée. C'est-à-dire, si que ou pas qu'on langue des signes, ou arrivé quelque part qui gagne de monde qui sous, eh bien, non seulement eux même y a une déficience là, ils pas communiquer avec, mais eux même nous pas communiquer avec non, eux. Non, donc, nous non. Souvent prêt ces anecdotes. Par exemple, arrivé c'est Vincent là ou cinq nègres qui campent qui crasent une bonne blague et puis nègres qui arrivent. Mais eux même qui besoin directeur donc qui pas communiquer nègres pour dire côté secrétariat y côté direction y. Donc dans ce sens ça là ou bien dans contexte ça là donc c'est vraiment eux même qui gagne problème là. Institut haïtien langue des signes. Moi c'est que au monde qui a regardé la genwa dit est-ce que et dans chaque langue différent on dit qu'on parle créole ou bien anglais ou bien français ou bien espagnol est-ce que c'est même signe est-ce que il y a une consistance dans langue des signes? En fait langue signe tant qu'on t'a dit on a mis te poser une question tout à l'heure en fait langue signe nous a dit li universel non sens okay. Il n'est pas universel dans l'autre sens. L'universel, c'est dans le sens que tout pays parle les langues signes. Oui. Parce que dans tout pays, il y a des sous. Oui, c'est oui. Les gens qui, en Haïti, oui. Nous avons les bébés. Bébé. C'est des gens qui sous. Mais nous, quand il pas universel, c'est parce que pas une seule langue qui est sur tout le monde entier. Donc, chaque pays, chaque culture, chaque société, il y a une langue par eux. Par exemple, en Haïti, nous parlons ASL modifié, donc langue signe américaine. Le pourquoi, c'est parce qu'en 1945, c'est une missionnaire américaine qui pourrait créer Saint-Vincent. Mm-hmm. Donc, ça pourrait permettre que langue signe américain entre dans le pays et puis lui et chita col vraiment. Mais par rapport avec culture haïtienne, il y a des choses qui entrent. Par exemple, si on a besoin de Maouzo. Oui, donc, comment? Voilà! Par exemple, on a besoin de Maouzo. Donc, ça, c'est Maouzo. Donc, comment? Maouzo. Maozo. Yeah, Maozo. OK. Donc ça c'est de spécificité par exemple dans Njuyo dans langue dans pure ASL là par exemple là dit lundi ou dit Monday. Pourtant dans ASL modifié que nous même nous dit lundi. Lundi. Donc c'est vraiment chaque pays gagne langue des signes par yo à proprement parler. OK. Mais nous parler de Saint-Vincent justement parce que moi même me songer
et longtemps de pouvoir parler de monde qui a vivent avec un handicap ou Saint-Vincent. Donc est-ce que l'idée pour créer l'Institut haïtien langue sinan, li vini de monde qui t'a travaillé Saint-Vincent ou bien qui t'a collaboré avec Saint-Vincent? En fait, l'idée pour créer l'Institut ça, li vini c'est par rapport à un constat d'une part et un besoin d'autre part. Yo constat c'est que nous voyons que moun studio par contre qui accès avec services sociaux de base. Par exemple, dans le travail, dans l'hôpital, dans la banque. Déjà, il est difficile pour rencontrer moun studio sur le plan professionnel. Combien qui avocat, combien qui ingénieur, combien qui. Même boss maçon, c'est difficile pour les jeunes de moun qui soude, qui gen bagay ça. Donc, c'est un constat. Donc, dans l'idée pour que nous facilitions et moun studio gen accès, donc nous dit en nous créer. Mais ils ont besoin. Bon besoin parce que d'un pile étudiant par rapport avec un ensemble de mouvements de sensibilisation de plaidoyer qu'a fait sous question en Haïti ces derniers jours donc d'un pile étudiant d'un pile professionnel qui dit t'as rien à apprendre parler donc là on lui a fait bon signe ça y est dit est-ce que tu as compris vrai donc ça vient de faire que nous venons créer un institut. Et c'est ça qui fait un gros coup de chapeau pour Joanne. Joanne, donc, qui est responsable de l'organisation Impact. Donc, qui vraiment fait Impact et qui a travaillé dans la question de protection de tout le monde, handicapé, tout le monde qui n'est pas handicapé. Et une fois que nous devinons avec l'idée de bon côté, donc, il était vraiment recevoir nous à cœur. Et c'est ça qui fait c'est dans le local Impact que nous vraiment un institut à héberger pour le moment. Donc, qui est dans le premier Riel Jérémy, numéro 20 Boisvenna. Est-ce que c'est bon, nous parler de qui Jean Institut fait mettre sous pied côté l'idée a sorti des bails comme ça, mais est-ce que vous pensez que il y a moyen pour nous étendre parce que là pour le moment nous Port-au-Prince seulement, est-ce que il y a moyen pour nous étendre parce que généralement même le m'a parlé me dit capitale de Port-au-Prince, bon, République pas capitale de Port-au-Prince, République de Port-au-Prince pour la simple et bonne raison que et centralisation en là li réel. Donc déjà pour moun qui pas vivre avec handicap, gen de bagay m pa gen accès avec ou bien li difficile par exemple pour gen accès avec yo. Mais qu'on y a soit parler de l'autre ville en dehors de capitale là, en dehors de situation plus compliquée dans l'autre ville parce que premièrement par rapport avec Jean pays en fait, lui Jean sur le plan sociopolitique, Jean pays en lui-même lié. Tout le bagage est centré pour Port-au-Prince. Tout le bagage. Donc, tout service, etc. Donc, moun soud qui est en province, c'est plus difficile pour eux. Voilà. Eh bien, pour le moment, nous avons Port-au-Prince, mais nous avons des visions pour nous aller bien loin. Donc, c'est étonnant sur tout le pays. Hein? Déjà que nous avons des discussions que nous avons entamées avec le ministère de l'Éducation nationale pour nous comment nous sommes capables d'intégrer la question de l'école, surtout avec la question nouveau secondaire. Donc nous avons de l'autre partenaire que nous avons parce que c'est dans la discussion que nous sommes pour nous capables de venir avec des projets qui permettent vraiment une promotion qui fait pour l'enseignement en Haïti et la culture soudan en particulier. Parce que ce qui est important, ce n'est pas vraiment. Fait quoi blanc? Oui, tout le monde a besoin quoi pour fonctionner. Mais qui utilité institue sur le plan social? Et qui ça vaut en termes de contribution que nous-mêmes nous portons? Donc, c'est vraiment si que nous arrivons, si que nous arrivons, bien que nous arrivons là quand même pour nous étonner parce que c'est objectif non, c'est mission non. Donc, même lorsque promotion ça et génération ça a finalé, vraiment l'autre génération qui vient avec une guerre de bail qui a commencé ou bien qui a continué et dans la question ça en Haïti. N'a pas continué. Tu parlais à finir parce que c'est très 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 important. J'aime dire là, parce que inclusion, son bagage que qu'on y a là. Maintenant, on a vivre là, là, pas grave de monde la vivre avec un handicap. Et puis bon, nous tout mettez à part monde ça, ils sont gens qui ont été comme dit invalide. Ok, donc pas grave ça encore parce que si on parle de air technologie, des bagages comme ça, là où la caillou. On dit que on parle avec un monde son ordinateur son monde qu'on pas connaît ou un message chat avec le monde pas connaît c'est un handicap physique ou pas connaît jusqu'à ce que donc et n'a continuer ces paroles là n'a prend on pause n'a tourné tout de suite red branché millénial.
Fenel. Nous t'as parlé de qui gens que institution lui-même li ka aller sur tout li ka étendre sur toute étendue territoriale. Parlez-nous un petit peu de financement. Moi même j'aime toucher point ça parce que encore une fois, déjà monde qui pas en situation handicap gen difficulté. Allez voir pour ça qui gen handicap, qui a vu avec situation en handicap. En fait, pour financer l'institut, comme des jours, premier financement, ben un financement que nous jouons, c'est Madame Joanne, en fait, responsable d'impact qui mettait le locali à disposition. Donc c'est financement que nous jouons pour le moment. Mais après, c'est bon, bah il me dit graisse cochon, coup de cochon, vas-y cochon vous graisse. Cochon vous vraiment graisse. Mais bon, c'est par rapport avec nous-mêmes, nous faisons des cotisations, oui. Etc. Et puis et participation que étudiants au bail, en fait, des contributions que étudiants au bail, donc qui permettent que pour le moment que nous avons fonctionné. Et c'est ça qui fait gain de bagage que nous voulons atteindre et que jusqu'à présent que nous pourquoi atteindre. C'est pas ni l'idée qui parle là. Idéo là, tout bagaille écrit, mais jusqu'à présent, les moyens ne sont pas encore arrivés. N'après été positif, m'kembe mon bon petit vibe. N'après été positif, parce que faut que travail là continuer, faut que ça gagne pour faire l'enfer et faut que nous permettre que tout le monde qui a vu avec handicap ou pas gagne même opportunité. Bah c'est ce travail nous en tant que monde qui a aidé monde qui a défendu à monde. Et est-ce qu'il y a une question? Oui ou bien non? Il y a une question? Ok. Oui. Oui. Parce que moi. Ok. Wisna. Oui, Diana. Oh, bonsoir, téléspectateurs. Bonsoir. Oui, question pas maintenant, Diana. C'est mardi, dans combien de temps ou du moins dans combien de mois il y a un monde qui a parlé langue des signes? Merci. Merci. Bon, en fait, c'est une très belle question. Donc, c'est pour nous parler langue signe par rapport avec la méthode que nous-mêmes nous utilisons. Et ou juste besoin un an au max pour parler langue signe. Mais bien entendu, il faut intéresser. Parce que si nous avons dans quoi, c'est chat lab chat, c'est WhatsApp. Parce que non, de juste des étudiants, c'est une langue visuelle. Donc, ça veut dire qu'il faut garder l'interprète, il faut garder le facilitateur. Parce que quelqu'un doit juste baisser tête ou répondre au WhatsApp et puis bon signe qui fait tout par où. Donc, c'est-à-dire qu'il faut très connecté et puis il faut pratiquer la carrière parce que sinon, on ne va pas briser. Même si on fait 10 ans, on ne va pas briser. Mais par rapport à la méthode que nous utilisons, si on est vraiment sous ça, on va essayer non, un an au max, il faut le comprendre. Parce que déjà, nous avons des étudiants qui ont fait de l'expérience, nous avons des étudiants qui institue Montfort, qui sont l'école qui travaille pour Timon Soud. Nous avons des étudiants qui sont dans de l'autre institution pour pas à pas. Donc, c'est vraiment déjà des étudiants qui ne connaissent pas au départ et puis qui ont fait de l'expérience pour le moment. Wow! À tel point, on a regardé dans la vidéo, l'autre monde a regardé, on a dit est-ce que les étudiants ont été parlés avant? On a dit non, pas de connaître. Mais est-ce que ça a fait eux bon? Parce que les gens qui pensent que c'est juste qu'ils ont fait des gestes comme ça. Donc, on a dit vraiment, c'est des étudiants que nous prenons à niveau zéro et qu'on a qui vraiment a parlé. Wow! Compliment! Est-ce que, alors l'émission va finir malheureusement parce qu'on est millénial, c'est on tire la tout court, mais je ne pas voulez quitter l'émission fermée, je vais nous conclure sans que je ne pas parler. Ça veut dire, est-ce que vous avez un bagage particulier que vous voulez dire? Peut-être une expérience qui t'a marqué, peut-être un conseil que vous avez, peut-être un bagage que vous avez envie de dire, je ne sais pas qui ça. Bon, je suis tellement gêné, je m'en vais dire. Qui t'es cœur, balé? Même si on a fait toute soirée, donc on a fait une balé. Mais moi-même en particulier, mon studio, c'est vraiment, c'est en fait tout le monde qui a vécu la déficience, moi vraiment sympathisé, vraiment sensible à la question. Mais mon studio, vraiment moins plus sensible par rapport avec vous, parce que d'une part, on m'étudie communication, donc c'est un problème de communication qui posait. Et c'est pas mon qui choisit que c'est comme ça la communiquer. Eh bien, c'est juste société là qui pas rendu accessible, qui pas rendu ouvert avec mon zayo. Parce que
mon tant qu'on toujours dit langue naturelle, yo monde qui sous dit langue des signes. Donc que société en dégager parce que droit universel déclaration universelle droit de l'homme dit que tout le monde qui fait yo égal égaux. Donc que société en mettait de disposition en place pour que vraiment moun sa yo capable de participer dans tout ça que société en lui-même les gagne. C'était un plaisir pour te avec à soir. Fini le pas comprendre parce que m'a redit, m'a réinsisté sur ça. Inclusion on nous supposé prend ça très 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 au sérieux parce que c'est pas le fait que moun na vivon handicap qui diminue capacité comme moun. Excusez-moi. Moi c'est une bagarre qui est important pour me souligner parce qu'en pile fois, yo cité moyo inclusion, intégration, participation. Mais c'est deux mots qui vide en soi, c'est deux abstractions. Mais vraie inclusion, hein, c'est lorsque par exemple dans banque, on ca jeune interprète, c'est lorsque ca gagne de rampe accès, c'est lorsque un petit monde qui déficient intellectuel ca l'école, c'est ça qui est inclusion. Mais dis-moi comme ça son abstraction, c'est tant que on hauteur les gars dit, c'est juste une coquetterie terminologique. Tes petits fleurs. Ouais. Même moi c'est que le fait que par exemple ou là ou parler de ça parce que c'est pas tout le monde qui connaît que l'institutionnalité est là, que l'y fonctionnel. Le fait que moi-même suis capable de rentrer dans le salon quand un monde assoit, peut-être qui pas connaît rien de ça et puis qui connaît prend conscience ou bien peut-être qui ont six monde qui vivent avec une déficience. Parce que des fois, c'est difficile aux parents yo vraiment essayer de mettre un petit monde qui y a pas plaisir sous lui, l'école son problème parce que il pas des amis, des bagages comme ça. Donc on pensait chemin lila travail en fait li ka prend temps la prend temps justement et mais plutôt nous miser en route nous pour de bonnes nouvelles nous pour de bonnes nouvelles parce que déjà une bonne nouvelle que nous gagne c'est parce que dans l'institut c'est plus jeune bien que gagne de monde qui commence entraînage mais c'est plus jeune et jeune ça aussi des psychologues des travailleurs sociaux des médecins etc. Donc c'est de monde directement qui est sur le terrain donc ben, c'est ça c'est vraiment on pas positif. Alors, m'bral dit, m'a fini et puis, moi, oui. Oui, oui. Question. Oui. Vas-y. Question, m'dame, m'en connaît. Combien de temps il y a de ça y est? M'en connaît? Combien de temps ça y est? Combien de temps? Activité ça y est. Combien de temps depuis qu'il existe? Oui. Ok, ok. En fait, nous. Bon, m'bab dit, nous jeunes. Mon bébé. Mais dit son bébé qui fait tout grand monde. Et nous prenons naissance, c'est en mois de février, année ça. Okay. C'est année ça que nous ouvrons. Bien que nous avons l'idée ça longtemps. Parce que pas moi-même, ni moi, ni un pilote qui est dans le staff, nous travaillons dans le bureau secrétaire d'État pour intégration de handicapé. Ça veut dire que nous souvent faire formation, nous souvent aller dans des séances de sensibilisation. Toujours des gens qui disent qui côté n'ta ka apprendre ba ça qui côté donc voilà donc c'est dans le mois de février là que nous lancé et déjà m'inviter millénial donc dans premier anniversaire nous qui c'est le mois de février prochain non seulement premier anniversaire nous mais c'est promotion première c'est graduation première promotion et de interprète qui a sorti dans l'institut. Wow. Donc déjà merci. Invitation lancée En pile, Fennel. C'était un honneur, surtout un plaisir, mais un honneur pour me gagner avec moi à Swaya, dans Millennial. Malheureusement, nous venons faire émission. Ouais, je n'entends pas assez vite. Désolé. En tout cas, merci à vous-même qui t'a regardé nous à Swaya. En bas écran là, vous supposez ouais numéro de téléphone Millennial, si vous voulez rentrer en contact avec nous. Et voilà, aussi le numéro de téléphone, ou après adresse email là tout, qu'on y a là. Si vous voulez, écrivez-nous. C'est un plaisir pour nous répondre, pour nous tendre des suggestions. Merci Café Doré, merci Emma Création, merci à vous-même qui t'a regardé, merci à tout le monde. Hein? C'est toujours là avec. Nous avons un numéro de téléphone que côté au cas contacter nous. En fait, l'adresse c'est dans première Riel Jérémy numéro 20 Bois Vena. Donc c'est local non? Oui, c'est local là. Numéro A c'est 39 37 82
34. Reprenez encore. 39, 37, 82, 34. Donc, n'importe léal, il y a WhatsApp sous lui, ou qu'a écrit, ou qu'a fait ça, ou voulez, depuis nous jouons un message, on a fait suivi. Merci. Et ou qu'a sur Facebook, tout, ou tapez Institut Haïtien de Langue des Signes. Et puis, déjà là, quand vous commencez à apprendre, parce que nous toujours mettez des vidéos, tout ça. Donc, déjà là, quand vous commencez à apprendre Langue des Signes. Merci. Merci, Empire. Weekend nan lage, Millennial fini. Merci, merci. En pile, parce que ou te ban nou opportunité pour nous rentrer la caillou. Merci à Naïka qui te premier invité nous. Merci à fait ou pas, mais bon, non, mougale. Pas pour rien. C'est vibration positive que m'a. Ah, mais c'est très positif, hein. Parce que vraiment ça, une fois que l'émission finit là, déjà m'a une bonne idée que n'a tête moi là. Et ça pile rayon positif, vous voyez là. On fait, nous connaissons. Ouais, là, ouais, même. Ok, merci tout le monde. Passez bon week-end et puis. En pile, l'amour. Il y a pas de question? Ne soyez pas timide. Je ne vais pas vous mordre. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas trop. Pas. Dis une question. Mais je vais pas une question. Oui ou bien non?